porte un chapeau de sorcière. C'est encore coupé ? 30 secondes. Yo yo yo, joyeux Halloween à tous. Moi je me suis déguisé en Stéphane Darbion, joueur de l'Estac. Mais vous inquiétez pas, on est bien là pour parler de PSG Anderlecht. Et je vais pas vous spoil, mais PSG Anderlecht, c'est 9 points contre 0. Le premier contre le dernier. 15 nominés au Ballon d'Or contre 2 souliers de plomb. Et surtout, la Tour Eiffel, 300 mètres de prestance contre un petit bonhomme de 50 cm à peine qui fait pipi dans une fontaine. Enfin bref, effectivement, Anderlecht, c'est 3 matchs joués, dont 2 à domicile en plus, pour 0 points au compteur. Mais par contre, les 10 buts, ils les ont bien pris dans le corner. Donc sans aucune surprise, les cotes du match, le PSG est à 1,05 à domicile, le match nul 12 et Anderlecht 30. Bah ouais, fallait pas s'attendre à beaucoup mieux. On se rappelle du match d'il y a 15 jours, le PSG était allé l'emporter 4 à 0 là-bas. Donc on se doute que les Belges se déplaceront pas au parc avec beaucoup d'ambition. Est-ce que vous la sentez l'ambition dans cette déclaration? On peut encaisser beaucoup de buts, c'est possible. Mais je serais déçu si c'est le cas. On est d'accord, zéro ambition, mais c'est pas fini, il en a sorti une autre. Hein van Esbroek. Ouais, bien vu, il est italien, Hein van Esbroek. Le mec a chaque lettre de l'alphabet au moins 2 fois dans son nom, c'est un fou. Je ne mens pas si je dis que le match contre Bruges, pour nous, c'est le plus important, mais voilà. Tu bluffes, Martini. Il bluffe. Ben ouais, il bluffe. Bruges, ils sont même pas dans la poule, j'ai regardé. Pas sûr. Bien sûr que pas sûr, il parle du championnat. Anderlecht a déjà 9 points de retard sur Bruges, qui est en tête, faut gagner ce week-end. Et maintenant, les effectifs. Alors côté parisien, on se demande, il y a des rumeurs qui circulent, est-ce que Mbappé sera sur le banc, oui ou non? Et si c'est le cas, ça va lui faire bizarre à Kylian. La dernière fois qu'il était sur le banc, c'était sur ceux de la fac de philo pour son doctorat, double diplôme, triple Axel. Mais depuis, bah il est titulaire le gars. Même si c'est un peu une flippette, on l'a vu en début de vidéo, et je vous la remets. Bon, et sinon, Lucas et Thiago Silva sont absents, et si je veux être complet, Nkoukou et Ben Arfa le sont également. Et côté Anderlecht, bah, il devrait manquer les mêmes que la semaine dernière, Andy Narrar et Uroš Pajić, mais je sais toujours pas les prononcer. Du coup, maintenant, nous, on passe au bon pronostic. Bon, ça fait à peu près aucun doute, le PSG va s'imposer ce soir. La question, comme chaque week-end, comme d'habitude, de combien de buts? Je sais pas très bien l'expliquer, mais j'ai un feeling comme quoi Anderlecht va bien résister. Enfin, qu'on s'entende bien, bien résister, ça veut dire faire par 3 buts au maximum. Du coup, bah, je prends facilement la cote, Anderlecht faire par 3 buts au maximum. Et elle est belle, 1,95. Et puis, je me fais une petite folie, je vais prendre un Draxler buteur. Pourquoi pas, la cote est à 2,80. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, concours score Winamax avec 10 paris gratuits de 10 euros à gagner pour participer. Un like et le score dans les commentaire. Et on se retrouve très vite. Ciao. Bon, cette semaine, c'était la Coupe de la Ligue. Personne n'en avait rien à battre.